Les mystères de l'amour, Dylan Blake s'approche de la mort, le retour du couple Hélène-Nicolas. La libération du docteur Blake s'éloigne dans les mystères de l'amour. Hélène et Nicolas, eux, pensent déjà à l'avenir. Ce samedi 4 septembre 2021, TMC a dégainé l'aventure et même si j'ai de la peine des mystères de l'amour, appartenant à la 26e saison. Hélène s'est rapprochée de Nicolas tandis que la situation de Jimmy ne s'est pas vraiment éclaircie. Tania repousse le baiser d'Hélène et Nicolas. L'enlèvement de Dylan Blake reste au centre des préoccupations d'Hélène, Hélène Relès, qui est rassurée par la demande de rançon. Lali et Béné l'ont confrontée sur la nature de ses sentiments à l'encontre de Nicolas, Patrick Puydebas, et Hélène a admis qu'elle sentait encore par séquence qu'elle était encore amoureuse de son mari. Dans la foulée, elle a reçu une mauvaise nouvelle avec l'échec des négociations entre le cabinet du ministre et les ravisseurs. Lors d'une discussion, Hélène et Nicolas ne sont pas passés loin de s'embrasser mais Tania a empêché ce moment en appelant Nicolas pour l'informer que Clémence, Magalis et Métis, avaient été retrouvés. L'embarras du choix pour Jimmy. Jimmy, Tom Chart, lui, a été secoué par Aurélie car il manque de respect à Béné. En effet, Jimmy a indiqué qu'il ressentait encore quelque chose pour Sophie, Charlène François, chez qui il a été la veille. Sur le coup, Jimmy ne s'est pas rendu compte de sa bourde. Victor, lui, a informé Aurélie avoir surpris un baiser entre Jimmy et Olga. Il n'en a pas fait part à Léa. Sophie, elle, a retrouvé Tim aux côtés de Fanny. Guillaume, qui épaule Sophie, a été victime de moqueries de la part de Tim. Cet épisode a pu compter sur une moyenne de 462 000 fidèles, soit 2,7% des téléspectateurs, contre 380 000 Français et 2,2% d'entre eux devant le petit écran pour l'inédit du samedi 28 août. W9 et La Petite Histoire de France ont nettement remporté la bataille de la TNT.